Restons forts. C'est toi qui as aidé Clara Garcia à quitter cette île. Qu'est-ce que t'as pour moi ? Ah, pour moi. T'es là pour reprendre le boulot de Paolo? Il y a beaucoup à faire ici. Viens, ma belle. Talia s'est pas loupé une seule fois. Paolo est encore débordé, hein. Il t'envoie ici pour m'aider.
Bonne chance, hein. J'ai même pas les bons outils. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Hola, ça va ? Va falloir assurer. Alors, tu y étais ? Ouais, tout devant. C'était le meilleur endroit. Le feu a pris dans les derniers rangs. Cogno, comment t'as réussi à fuir ? J'ai couru. J'ai couru aussi vite que je pouvais. Et tu sais le plus dingue ? Non, vas-y. Ils ont continué à jouer. Talia s'est pas loupée une seule fois. Malgré tous ces cris, les gens qui fuyaient, le feu, la musique a continué. La classe ! Ouais, les Maximas Matanzas vont pas s'arrêter de jouer à cause d'un petit feu. T'as trouvé cette bête dans la jungle ? Ou de quelques fans morts. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire ? Hello. Hello. Hmm.
Personne peut me filer un coup de main? Non? D'accord. On va y arriver. Il paraît que sans toi, Clara Garcia et sa clique n'auraient jamais pu quitter Santuario. Alors, tu y étais? Ouais, tout devant. C'était le meilleur endroit. Le feu a pris dans les derniers rangs. Cogno, comment t'as réussi à fuir? J'ai couru. J'ai couru aussi vite que je pouvais. Et tu sais le plus dingue? Non, vas-y. Ils ont continué à jouer. Talia s'est pas loupée une seule fois. Malgré tous ces cris, les gens qui fuyaient, le feu, la musique a continué. La classe! Ouais, les Maximas Matanzas vont pas s'arrêter de jouer à cause d'un petit feu. Ou de quelques fans morts. J'ai jamais vu un chat faire. Comme celui-là. Achève le lion, camarade! Par ici, camarade. T'as trouvé quoi? Dani, je marque un site anti-aérien sur ta carte. Détruis-le pour moi, ok?
prends un véhicule. Danny, si tu passes par Madrugada, je voudrais que t'ailles voir quelqu'un. Elle s'appelle Yami. C'est un peu la Juan Cortez des bagnoles. De Juan, j'ai peur que ça fasse trop. Même un seul Juan, c'est déjà beaucoup pour toi. Mais bref, va voir Yami. Tigré, c'était des sympathisants du mouvement de 67.
pourrais jeter un coup d'œil. Tu viens d'arriver ? Qu'est-ce que tu sais ? Tu t'es jamais demandé comment les soldats recevaient des ordres à LST ? Il y a une station radio au sommet de la montagne, à côté. Ils ont transformé le site en forteresse. Si tu entres, te fais pas repérer. Ils te buteraient et ils te balanceraient de la montagne. Gracias. Hola. Ça roule ? Hein ?
Allez, mon grand. C'est bien, bon cheval. Vas-y! Tout doux. Merci, Olwas. Ajouter un peu de puissance à tout ça. Hé, c'est mon cadeau d'anniversaire. T'en fais pas, entre de bonnes mains, bébé. Je vais défoncer ton proprio pour t'avoir maltraité comme ça. Dany en chair et en os. Quelle vision merveilleuse. Bonne chance. Je sais que tu peux y arriver.
On se retrouve là-bas, Olusso. C'est rien de stupide. Peut bien travailler dans un endroit pareil. Tu
C'est Philly, moi c'est Danny. Non, il n'y a pas de Philly ici. Ouais, il y a quoi dans ton sac? Tu sais où il est? Bière. Qui commande ici? On peut tout faire avec ces petits trucs. Tu peux venir une seconde? Viens là, s'il te plaît. Tu veux bien appuyer sur ce machin, là? Interrupteur piégé! Tu lâches, et... Alors, pourquoi t'es là? Je collabore avec Clara de Libertad, ça te dit rien? Clara, Libertad! T'envoies du lourd avec ces noms! Mais elle est pas là, Clara. Y'a que toi, personne d'autre. Alors, explique-moi. T'as une famille à sauver? Des gamins? Non. Alors, dans ce cas, tu veux quoi? D'abord, je vais enlever mon doigt de ce truc. Et savoir qui va m'aider à descendre Castillo. Ok. T'es libre. C'est toi, la vedette de Clara. J'ai rien d'une vedette. Ouais, ça a marché, ça a marché. Magic Philly, bébé. Tu veux qu'on aide Libertad? Trouve Carlos Montero. C'est notre rock. Sa famille nous sauvera tous. Génial. Mène-moi à lui. Non. D'abord, c'est à Philly que tu dois plaire. Ensuite, tu devras plaire à Baby Montero. Baby Montero. C'est là. Allez, Chorizo, on y va. La Espada, sa fille. Aux dernières nouvelles, elle s'en est prise à la plantation des Parias, à l'est d'ici. Si tu lui plais, c'est gagné. Mais pour la trouver, bonne chance. Espada! C'est une panthère. Oh, la prochaine fois qu'on se verra, tu me laisseras jouer avec ton sac à dos de malade? Non. Dans ce cas, fais bien gaffe au gaz toxique. Putain, quel comédien. Oloso. Thank you.
désormais atteindre n'importe quelle côte de Yara pour y répandre le chaos et la destruction. Mais les vrais Yaran n'ont rien à craindre. Notre puissante armée a pour devoir de vous protéger. Pas besoin de soldats pour protéger notre paradis. Elle est prête à éradiquer ces terroristes comme le cancer. Cette percée scientifique est le fruit de notre dur labeur, de notre Cognon, cette espada, elle plaisante pas. De l'extérieur, personne n'y croyait. Mais je n'ai jamais douté de nos talents, car les vrais Yaran ont la force de C'est qui ce connard ? Merde, encore un. Monsieur le Président, en quoi le Viviro est-il propre à Yara ? Nos scientifiques ont développé le Viviro dans l'épée ? Laboratoire. Ils devraient l'appeler la lame. Et nos fermiers font pousser le tabac modifié dans nos champs. Nos ouvriers l'emballent dans nos usines. Et concernant les financements étrangers ? Aucun. Cette percée scientifique est le fruit de notre dur labeur. Pinga, elle est putain de douée. Pas de l'extérieur. Bordel, il se passe quoi là-haut ? Mais je n'ai jamais tenté de nos talents, car les vrais Yaran... N'arrive pas de l'appeler comme ça. Il a fait beaucoup plus de gens pour moi que ça. Tu vas continuer à me menacer de mort, parce que c'est censé me faire peur ? Ben voyons. La légendaire Espada a pas peur de mourir. Non ! Pitié ! T'es qui, toi ? Dani, de Libertad. T'es Baby Montero ? Baby Montero ? Ce couillon de fille. Je dois parler à ton père. Clara veut passer un accord. Le nom de Clara vaut rien par ici. Tu bosses pour Clara Garcia ? T'es la fille de Carlos Montero ? Pitié, me tue pas. Dis-moi où est ton lieutenant ? Promets de pas me tuer d'abord. Ah ! Cayo Villarreal ! Cayo Villarreal ! C'est l'île privée de Rosset. Satisfaite ? Non. Mais ça ira. Et lui ? Et lui va dire à son patron, José Castillo, que je tuerai tous ses lieutenants, un par un, pour m'amuser. Puis je libérerai tous les parias qui fabriquent cette saloperie de tabac. Ça, c'est pour les miens. Et pour finir, il va dire à José que je lui trancherai la gorge, comme ça, là. Et ça... C'est pour moi. Je ferais mieux de l'écrire, du coup, parce que c'est beaucoup de... Contente-toi de dire à cette petite merde que l'épée le salue. Et dis à tes potes qui sont dans le mauvais camp. Allons voir papa. On prendra les chevaux dehors. Allons-y, Olusso. Ok. On développait le Viviro dans nos propres laboratoires. Des intrus ! On a des hommes à terre ! Des intrus ! Je crois qu'ils ont trouvé les cadavres que t'as laissés derrière toi. On va avoir l'armée au cul. Des intrus ! On a des hommes à terre ! Des intrus ! Bordel, ça sent pas bon ! Des intrus ! On a des... Merde !
Il y a une fusillade. Tant pis pour la discrétion. On y va. Par ici. Allez. Ok, je te suis. N'éloigne pas de moi, d'accord? Ok. C'est parti. C'est bon. Tout va bien. Vas-y. Ça s'est plutôt bien passé, non? Vamos! Ok, je crois qu'on les a semés. Oui, c'est bon. Tu te débrouilles bien. T'es pas mal non plus. Où t'as appris à tirer comme ça? À l'académie militaire. De 16 à 21 ans. Ça peut servir. Je sais aussi faire les mojitos. Je te croirai quand j'en aurai goûté un. Ça fait des semaines que je me tape la fosse septique de Philly. Je vais faire comme si j'avais pas entendu. On dirait que Castillo a pas rendu les choses faciles ici. Le vrai problème pour nous, c'est Rosé, son neveu. Ce petit bâtard, on l'appelle Napoléon El Pequeño. Le petit Napoléon? C'est mignon. Il est pas aussi mignon que son surnom. Les Montero vivent sur ces terres depuis 200 ans. Et lui, il les transforme en camp d'esclaves pour cette connerie de Viviro. José force les nôtres à bosser non-stop avec un flingue sur la tempe. Cette ordure a même enlevé papa. Il est resté trop longtemps dans les champs. Le poison l'a rendu malade. Même s'il refuse de l'admettre. Maintenant, papa mène sa propre révolution. Tu vas avoir besoin de libertad si tu veux arrêter Castillo. C'est pas la première personne à me dire ça. Mais papa a sa fierté. Il fait confiance qu'à sa famille. Si t'es pas un Montero, t'es rien. Donc d'après toi, j'ai aucune chance. Je sais pas. T'es quelqu'un de spécial. Tu ressembles pas à ceux que Clara a envoyés.
Peut-être qu'il t'appréciera. Peut-être. Il est encore loin, ton camp? Non, pas loin. T'es pressé? Non, non. Ça va. Ça me fait faire de l'exercice. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans l'Ouest, camarade. L'épée et la vedette. Content de vous voir en vie. Tu l'as trouvée sans problème? Ça a été un peu compliqué, mais t'as de la chance. Elle est douée. Eh ben, vous arrivez à temps. Le chef fait le dîner. Allez, papa. Ce réfé, il en a une bonne grosse paire. Allez, 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 allez. Oh. Vamos, vamos, vamos. Oh. Esto. Ok. Où t'étais? J'explorais. Mon cul, c'est qui ça? Je m'appelle... C'est pas à toi que je cause. Du calme, papa. C'est Danny, de Libertad. Libertad, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu y bandes pas les yeux? Mais papa, regarde. Ce sont des fermiers ici, pas des guerriers. Tu veux que Chorizo aille faire exploser Napoléon el Pequeño? Hé hey, laisse Chorizo hors de ça! On doit apprendre aux nôtres à être des guerrieros, Camilla. Tous les deux. C'est pour ça que je suis là. T'as pas une tronche de guerriera, l'ami. Je vois qu'une touriste. Si la touriste nous baise, c'est ta faute, Camilla. Il t'aime bien. Bienvenue à Finca Montero, la vedette. Allez, Chorizo, garde-en pour le dessert. Au pied. Clara, j'ai établi le contact avec les Montero. Comment c'était? Carlos veut pas entendre parler de moi, mais j'ai sympathisé avec sa fille. Elle devrait me permettre d'entrer. Tant mieux. Il faut qu'ils te considèrent comme leur semblable, Danny. Gagne leur confiance. On se tient au courant. Fais chier. J'ai plus de cigares.